Vous rejoignez actuellement le quartier de la Bastide. C'est confortablement installé dans ces petits véhicules que Mémosine vous propose d'embarquer pour découvrir l'histoire de Bordeaux. Une visite d'un autre genre, puisque c'est une tablette qui va vous guider. Chaque véhicule est équipé d'une tablette qui fait à la fois office de commentaire et de guidage. Quand vous arrivez à un numéro, il va y avoir de la musique, une photo qui apparaît, qui est tenue au parking. Vous arrêterez et vous déclencherez la présentation. Pour Mémosine, l'objectif est simple. Éviter la visite guidée traditionnelle et donner la possibilité d'être indépendant. Pour ces deux vacanciers, pas question de brûler des étapes. Ah non, je pense qu'on va toutes les faire. Hein. On va essayer de faire le tour complet. Hein. Enfin, voilà. Non, on va continuer le chemin jusqu'au bout. C'est lors d'un voyage à San Francisco que les deux fondateurs de Mémosine ont découvert le concept. Ils sont les seuls à avoir adapté cette visite guidée multimédia dans l'Hexagone. Oui, c'est un concept unique en France, unique à Bordeaux par extension, si j'ose dire. La technologie américaine, on la trouve un certain nombre de villes aux États-Unis et également en Espagne. Mémosine propose aujourd'hui 8 circuits différents. Comptez 44 € par personne pour une balade de 2h30 dans Bordeaux.